Je reste devant. Laurent, balance l'info au groupe, dis que c'est là que ça peut. C'est là que ça commence. Hein. Parce que là, ailleurs, il n'y a rien. Non, on en vient, on est allé là par là-bas. Les amis, j'espère que vous voyez bien, nous sommes ici en direct. Est-ce que vous voyez bien, les amis? Ça gaz, les amis, ça gaz. On est bien. Ils sont derrière vous. Vas-y. On bouge pas, c'est bon. Je tiens comme ça. Regarde ce qui va arriver,
Au cœur de l'avenue de Wagram, hein, les amis. Tu peux me dire, attends, tu peux me dire. C'est bon, je connais ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On est sur l'avenue de Wagram, pour les gens qui vont savoir ici même. On est en direct. Attention ici contre les manifestants qui sont là. Les amis, hein. Partagez, n'hésitez pas à vous abonner, partagez. Tu vas bien, hein? Ah, ça va? Ah, ça va. Donc voilà ce qui s'est passé, les manifestants ils voulaient y aller ailleurs, avancer dans le. On va dire ils voulaient avancer dans la manif, mais dans une manif sauvage, donc ils voulaient avancer vers, on va dire, direction l'Arc de Triomphe, mais c'est encore loin. Hein. Donc ce qui s'est passé après, bah là on a la Brave aussi qui sont présents. Ce qui s'est passé après, donc il y avait du lacrymogène, de la police qui ont chargé, donc voilà. Ça va prendre. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Le gars est parti en Ça va, tu vas bien? Ça va? Ça va.
recule, s'il vous plaît. On se recule, monsieur le journaliste. Voilà. On est en mode présence policière ici sur avenue Wagram, mes amis. Deux interpellations hein, pour l'instant. On a vu deux interpellations ici en direct. Je peux aller de l'autre côté, je suis journaliste. Personne ne passe. Je ne vais pas rester au milieu, je vais aller direct. Personne ne passe. Je suis journaliste, je fais mon travail. Juste mon travail. Par ici, monsieur, par mise en sécurité. Il y a personne derrière nous. Non, monsieur. Non, mais qu'importe, monsieur. Personne derrière nous, par mise en sécurité. S'il vous plaît, merci. Allez, monsieur, s'il vous plaît.
la journée a fait que commencer. Ils avancent. Ouais. La journée a fait que commencer. Je vais essayer de faire le tour parce que là, il me laisse pas passer. Je vais essayer de faire le tour, je vais voir si ça passe par le tour là-bas ou pas. Attends, est-ce que ça passe? Je peux faire un tour ou pas? Je pense que oui, on peut faire le tour. Hein. Je pense qu'on peut faire le tour, non? Excuse-moi, je pense qu'on peut faire le tour ou pas? On va essayer de faire le tour, les amis, puisque c'est bloqué. Vous voyez bien, les amis. On est sur avenue Wagram. Bien, les amis. Thank you.
Ça va, tu vas bien? Les journalistes, dégagez vos mères! On est sur place des place de Wagram, les amis. Ça fait quoi de travailler pour Darmanin? Un violeur! Ça vous fait quoi, le mec? Attends, c'est vos gosses qui m'a violé après!
s'en fout, t'es les nôtres. T'as une faute simple. On est sur place de Wagram. Ça va ou quoi? Tu l'entends, tu vas bien? Ça va. Thank you.
Cassez-vous! Cassez-vous! On fait chier! Aujourd'hui, je te parle en code. Cassez-vous! Tu vas où? Il est pas dans cette manif là parce que il a dit qu'il sera pas avec Jérôme, mais donc Jérôme il est là. Rodriguez. Là, c'est les patrons des boîtes qui sont ici. Là, c'est les patrons des boîtes qui sont ici. Le plus beau des combats, c'est la présence physique. On va pas. Et on est présent. Ça va? Ça va? Ouais, ça va? Ouais. Oh, c'est bien, oui, mais en fait, c'est dans la même manif. Hein. Quand ils ont fait l'appel, ils ont dit qu'ils ont manifesté avec les gilets jaunes. Donc voilà. Thank you.
Ouais, et toi, ça va? Ça se passe? C'est bizarre, ça a chauffé, ça s'est calmé. C'est chaud, hein? Peut-être pour l'instant là dans l'oreille. Pas ouais, ça. Ouais, c'est pas ça. En fait, nous, on était à la place. Ah, excuse-moi. Ah. Ok, là. Ça bouge là. Maintenant les autres vont plus rentrer. Oui, c'est celle-là, je crois qu'on doit. La première des mapronis. Ça va? Pas de. Pas mal à fond. Ouais, ça va, c'est pas mal. Et on tourne maintenant. Ça va quoi? Ça va? Ça va? Toujours. Oh, restez là, je me vois pas là. Allez,
Donc les gens qui s'achèvent contre la police et la déclarante Sophie Tossier qu'elle est contre tout ça. Du coup ça crée un mot. C'est le truc de facho, quoi. Vas-y, on va pas dire non, quoi. Vous les cherchez. Mais vous êtes majoritaire, allez-y au casse-pied. Mais c'est moi qui avais cassé la figure. Allez-y. J'ai cassé la figure, alors je vais pas rester. Allez, fais-toi casser ta figure pour ça. Allez, j'ai des choses, dis-moi toi. C'est toute la France pour que l'on va te faire casser la figure. On a décroché des mots. Pardon.
vous arrêtez de filmer là. Vous croyez où? Je reste les souvenirs ici. Que vous voyez bien les amis. Donc là les manifestants ils sont encerclés dans la place. Vraiment, je rigole pas du tout, ils sont vraiment encerclés. C'est la marche déclarée, bah, comment tu... T'as cadé ou pas? Viens voir, Sandrine, Tu l'as reçu? Je peux plus faire. Tu connais Sandrine? Ouais, c'est un parlable. Parce que je lui ai dit, envoie quand ça fait. Elle est partie ailleurs? Non, elle m'a dit pour l'instant ça part au boulevard machin. Là, c'est là? Voilà. Ah bah. Non, je sais pas, il faut voir le boulevard quand même, tu vois. Ça va quoi? Ça m'arrive là. Est-ce que vous entendez bien les amis?
gros de la base. Ça va ou quoi? Tout le temps là. Salut. Ça va? Je fais pas les têtes déjà. Je suis pas. C'est pas ta tête qui savent pas, il y en a qui te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent pas. Je comprends. Il m'en rage, il y en a participé.
Je sais pas. De ça, tu vois, on fume pas les têtes, fais gaffe. C'est des journalistes. Niquer leur mère aux journalistes. Moi, ça me tire la merde, ils ont qu'à aller niquer leur mère. Thank you.
À la droite. Ah bah moi regarde, la dernière fois, j'arrive plus à le mettre déjà bien. Ah c'est un mec qui veut passer. Non. Fais attention. Je suis le seul qui filme ma visage, je suis en train de fumer comme ça, et qui m'éclate ton Paris, on va vers où là? Attends, GPS ou pas encore? Non, je veux pas de attends, batterie. Attends, je vais dire, attends. On est dans le. Dans non, le 17. Non, c'est une carte. Je sais qu'on est dans le 17, mais je peux pas te dire on va vers où, attends. Ah, ok, bien vu, je te prends. Vas-y, t'inquiète, d'accord. Thank you.
Ça va ou quoi, ça se passe? Tony! Tony! Sur le marché! Salut! Monsieur, ça c'est pas bon, c'est lacrymogène ça. C'est lacrymogène, ah bon, ça fait mal ça. Vas-y, on les suit, on suit tout le monde. On va y arriver si on abandonne. Il nous passe. Allez, 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 allez
ça, Clément ? Là, il y a une manif sauvage par là. Ils sont partis. Là, ils rangent les barricades. Là, il y en a qui sont encerclés. Il y a deux là. Un petit groupe qui est encerclé par là-bas. Qui... Je sais qu'il y avait une manif là. Il faut qu'on la rechoppe. Je sais pas, ils sont où. Moi, je les ai laissés. Ils sont en train de marcher. Tu vois, je suis revenu. Attends. On se parle là. Il y a du monde ou pas ? Alors, là-bas ? Ouais, là. Je pense que c'est parti vers là-bas. On les a perdus quoi. Ouais, en fait ils sont tournés à gauche. Là. Tu les as vus toi ? Ils sont partis à gauche. Pourquoi t'es revenu ? Ouais, d'accord. Pourquoi t'es là en moto là dans les. Regarde, c'est en moto sur le truc là, c'est. Ouais. Regarde à gauche, tiens. Restez pas là. Ouais, faut qu'on y aille. Ouais, je crois qu'il y en a. Voiture brûlée. Il n'y avait pas un groupe par là ? Je sais pas, ouais, mais je les ai perdus. Et à mon avis, bah, on va essayer d'avancer, on va voir. C'est bon, je les ai rattrapés un peu. Ça va ? Tu vas bien ? Ça passe ? Ça va ? Ouais. Ça va, merci. Ils sont où, tout le reste ? Je sais pas. Il y en a, non, parce que ça a gazé, ça a dispersé un peu. Il y a la police aussi. Ça a dispersé un peu, mais voilà, c'est normal. Ça va, tranquille. On est pas beaucoup là, ça fait chier. Non, il y avait du monde au début, mais après ça a gazé, ça a dispersé. Tu verras qu'au bout d'un moment, ils vont débarquer de je sais pas d'où. Tout le temps comme ça. Ouais, ouais. Bon courage, hein. T'inquiète. Ah.
là on est vers le Valois, si je me trompe pas. Le Valois. Du monde. Comme ça a gazé un peu, ça s'est dispersé un peu, mais il y a encore du monde. Les amis. Attention. Il y a la brave motorisée. Les gens qui connaissent pas la brave, c'est la brigade de la répression de l'action violente. C'est une... Ils sont 160 aujourd'hui à Paris, je vous ai dit depuis le début, mais il n'y a que ça. Hein. On est vers le Valois, je sais pas dans quelle rue, mais on est vers le Valois. On était dans notre 17e et là on est vers le Valois. On est vers rue Jacques-Hibert dans le 17e arrondissement. Pardon, excusez-moi madame. Rue Jacques-Hibert dans le 17e arrondissement. Ah bah on arrive encore. À gauche.
là, il y en a beaucoup qui descendent et pensent à descendre dans le périphérique. Ouais, je passe au périph', frappe. Donc là il est. Non, il laisse tomber le périphérique. Il laisse tomber le périphérique. Donc là il décide de continuer à faire une manif sauvage. Là on était vers Levallois, là on revient à Paris. On est vers Porte, pas loin de Porte de Champéry. Ouais, ouais. On a la brave qui sont derrière. La brave descend de. La brave! Il y a la brave! Attention derrière vous!
Ça va ? Je pense. Ah. Ça va et toi? Ça se passe? Ça va, Jean? Ça va, ouais, c'est dur. J'ai dû en chercher une parce que toi, il voulait. Ouais. Tu parlais, tu connais? On va te parler. Merde. Ah, les mecs, pas bon, là. Bon, après, on va suivre la Donc là, ça a dispersé le groupe. Hein. Donc là, les amis, il y avait plusieurs forces d'ordre qui ont utilisé de lacrymogène. On n'est pas loin de Porte-Maillot. Hein. On est sur le boulevard Pereire. Ça a dispersé, ouais. Donc il faut chercher des infos après. Moi, je fais à Wagram. Il y a quoi à Wagram? Je sais pas, je pense que logiquement, ils vont tous retourner à Wagram. Non? Attends. On est logique. Tu vas où toi? Là-bas. Pas grave. Ouais. Vas-y, venez. Parce que là, ça. C'est fini là. Ce problème, c'est que. Ça va disperser. On va se ouais, ça va. Avec un groupe de deux. C'est toujours comme ça en vrai. Du coup, on va être en route. La rue. Ouais. On va essayer de reprendre ta grammaire, les amis. Alors, toi qui es reporter, t'en penses quoi? On est en direct sur Periscope. Comment t'en penses quoi de la journée? Ce qui s'est passé? Bah, ils sont en train de jouer le jeu comme pour la fameuse NAS de la place d'Italie. En fait, on va dire au début, c'était un peu chaud et donc. Alors, en fait, au début, c'était plutôt calme, on va dire plutôt. D'accord. Là, c'était calme, il y a eu plusieurs aides lacrymogènes. Les manifestants ont voulu commencer à. Ouais. Et ensuite, il y a eu le décret de M. Lallemand qui a interdit la manifestation qui était déclarée. Ok. Donc autorisée au dernier moment. Donc ça commence un petit peu à énerver les gens. Et puis là, ils ont fait encore le jeu de la police. Ils ont séparé. Les déterminés et les pacifistes, encore une fois, ouais. Pour pouvoir mieux les gazer, puis montrer à la télé qu'il y a de la casse, ça brûle, enfin, encore dans la manipulation. D'accord. Merci, merci. Il y a quelqu'un qui t'a dit coucou, Kevin. Ah. Là, qui te recopie. Ça va? Cool. Bon, on va essayer de revoir. Est-ce que vous voyez bien, les amis? Parce que je sais que ça a bugué un peu là avec le rire. Avec... Tu peux tenir ça deux secondes comme ça? C'est pas si où les autres? Bah en fait ça a gazé plusieurs fois que. Qu'à un moment ça se disperse hein. Ouais, bah ouais. Tu vois? Bien vu. C'était pas, le réseau n'était pas top, c'est ça? Ce que vous avez vu en tout, c'était pas. C'est pas top, c'est ça? Comment? Je leur dis qu'ils sont complètement cons et qu'ils vont toujours dans le mauvais sens. Ils vont toujours là, les mecs. C'est par où Wagram? Wagram, c'est là et à gauche. Les mecs, putain, c'est des connés, des pas de temps. Non, moi je t'ai dit quelque chose, nous on a suivi jusqu'à la fin, il n'y a plus personne. Moi aussi je fais, mais putain, on est collé. Ça fait 2 ans que les mecs sont des cons. Moi je t'ai pas. Les mecs sont rabattre comme des cons. Les mecs sont passés pour le périph. Ah, si, c'est de top, j'espère, ok. Parce qu'il y en a qui me disent fluide. Et donc.
Et donc, comme je vous ai dit, les amis, ça arrive que ça bug, ça dépend de l'opérateur qui est en direct. Donc, après, voilà. Parce que bien, il n'y avait pas 10 000 personnes ou 20 000 personnes pour que ça bug ou ça bloque. C'est pas genre comme le jour où j'étais dans PSG, ça a bugué fort, fort, parce que il y avait minimum, on va dire, 50 000 sur les chambres. Ça, putain, là, ça crie là. Ça va On va essayer de voir l'ambiance là. N'hésitez pas à me donner des infos si vous avez d'autres lives ou il y a d'autres trucs qui se passent ailleurs à Paris. Faut me dire. Tiens là, Edge. Il y a un petit groupe là qui crie. Il y a la brave qui... Ça me rappelle le 14 juillet, mais pas la dernière. Non, il y a deux ans. Voilà, et ça fait la même chose. C'était ça, et puis on a pas réussi à faire fonder. Exact, ça fait ça. Putain, il tourne à droite de toute façon. Écoute-moi bien. Mets-toi ici, si la brave arrive par là, avance doucement, et quand ils descendent, ils chargent en chat au cours d'aéro pour filmer. Ils ont fait le tour. Non, là, ils vont venir, je crois, devant. Là, c'est sur la piste partie à gauche. D'accord, donc il faut faire attention parce que si tu rentres dans la manif, il y a la brave. Sur tout droit. Tu peux te faire. On est sur. Alors, on est dans quelle rue? Attendez. Ils arrivent par là, ils arrivent. Mets-toi là. Ouais. Je te le dis ou pas? Maintenant, marche doucement. C'est pas les manifestants. Stop. Thank you.
D'accord, très bien. Nous, on est journalistes. Hein. Je sais, mais. Vous voulez vous témoigner ou pas? C'est pas nous qui chassons, madame. C'est... Ouais, mais enfin, vous restez bizarre quand même. On reste bizarre? Ouais, quand même. Pourquoi on est bizarre, mais on fait. Je sais pas, je. Vous avez pas l'habitude de voir des reporters. Mauvaise ambiance. Vous avez pas l'habitude de voir des reporters. Vous avez pas l'habitude de voir des reporters. Vous avez pas l'habitude de voir des reporters. Ouais, je sais pas. Ah bah, ils sont dangereux. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, c'est eux les plus dangereux. C'est pas les autres, les CRS, etc. Ça va, c'est eux les dangereux. Qui est eux? Non, c'est eux qui tapent. Moi je suis pas là, c'est son interdit. C'est eux qui ont tué là là-bas. On fait des reporters. Ouais, on trouvait bizarre. Non, c'est pas ça. Les manifestants sont très 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 dangereux. Ok. Ouais, c'est. Je l'ai vécu. Les manifestants sont dangereux. Ils ont caillassé mon restaurant. Ils ont fracassé des gens qui étaient dedans. Ça c'est pas vous. Vous n'avez pas mangé. Vous êtes des petits restaurateurs. C'est pas vous qui pouvez prendre. Et pourtant, on en a chié. À cause de ça, même avec le Covid, à cause de ça, il y en a confus. Mais c'est pas fini. Le problème, c'est que tant que. Bon courage à vous. J'ai cru que j'allais mettre un taquet dans la tête. Hein? Non, il m'a mis une patate, moi. Ouais, le couteau s'en filme, Joe. C'est un quartier quand même calme d'habitude. Hein. Mais c'est un quartier calme d'habitude ici. En général, ça chauffe pas du tout. Hein. C'était fou. Hein. Ils ont chauffé. T'étais là? Ouais. Ils sont tac-tac par là. J'étais là, très bien. Non, j'étais trop derrière. Moi, j'étais là, mais. J'arrive tout de suite. Tout de suite, ça, la première, je me suis derrière. Je me suis mis tout derrière eux. Le mec, il veut tout, il tentait, il n'arrive pas. Il m'a attrapé, il m'a mis une patate, il n'arrive pas à tout. Pour 3 mètres au milieu comme ça, c'est pas facile. Ah, mais ça va, ils nous tapent pas, nous, ils nous connaissent. Hein. Ouais, ça va. Tiens, il y a une palpation là. Rien du mal. J'y vais. Tu vois? Bah, je vais vers Bagram. Moi, je vais vers. Donc, voilà, les amis, nous sommes toujours ici en direct live. La manifestation, ça s'est calmé. Il y a eu beaucoup de monde quand même au début et après. Et les forces de l'ordre qui ont dispersé un peu les manifestants. En fait, les gens, ils savent pas ce qui se passe. Hein. Beaucoup de gens savent pas. Ils sont tous là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est vrai, je suis d'accord. Ils nous regardent. Qu'il y a un truc terroriste ou. C'est vrai. Non mais parce que nous aussi on a l'habitude, si tu viens voir en vrai, c'est violent hein, ce qu'on filme. Ouais, là il y a une dame qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Ouais. Moi non. Donc là en fait on est dans une rue. Nous on reprend Wagram si tu veux, okay, on va voir. T'as pas d'autres infos d'ailleurs, y'a rien qui se passe ailleurs Là ils vont à Wagram, là j'ai entendu plusieurs, ils m'ont dit ils vont à Wagram. Il y a des street meet qui sont là. Après non, j'ai pas d'infos particulières. Ouais. Elle s'en est plutôt aussi petit peu. On va reprendre Wagram, c'est parti, allez. C'est par où? Je sais pas là, je vais chercher mon vélo en fait d'abord. Monte ton GPS vite fait parce que j'ai pas de GPS, juste je vais voir vite fait.
Attends. C'est un Mevagram. J'ai des soirées des termes. Une quinzaine qui sont venues des termes. Vous savez où se trouve l'avenue des termes ou la juste devant toi. Ici, là. C'est ça là l'avenue. Ok. Et là, du côté de l'Arc de Triomphe. Ils sont pas loin de l'Arc de Triomphe. Ah bon ça, ouais. Mais ils sont qu'une vingtaine. Il faut monter en haut, hein, je pense. Hein. Excusez-moi, monsieur, c'est par où place Wagram? Place de Wagram. Vagram. Au Wagram, ou l'avenue. L'avenue Vagram. Place Wagram. Ouais, place Wagram, on n'est pas très loin, mais c'était le début de la manif. Là. Exactement. Bah. C'est pas loin de la porte Champéret, juste à côté de la porte Champéret. Ok. C'est à 2 km. Quoi? C'est à 2 km? Vous avez laissé la voiture là ou quoi? Laisse tomber. Bon, les amis, bah, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de couper le live et je le relance. Je relance dès qu'il y a un truc, je vais essayer de chercher des infos. Non, non, c'est moi. Ouais, Terne sur la. T'as vu. Ils me disent que Terne. On est sur l'avenue Terne, mais en plus. Ils me disent qu'il y a 15 ou 20 de gens qui sont sur les champs, mais. Attends, je vais essayer de voir. En 9 minutes, tu te fais 2 km, mais j'ai pas de GPS, j'ai même pas mon deuxième téléphone. J'ai même pas mon GPS, il faut que je voie, attendez. Je vais essayer de voir ça. Ah, c'est bon, je vois où je suis. C'est bon, je vois où je suis. Je suis sur l'avenue Wagram, je ne me trompe pas. Exact, je suis sur la place des Ternes. Et après, il faut descendre pour reprendre à gauche. Ouais, là il faut descendre là. Là il faut descendre tout en bas. Dommage, je peux pas prendre une trottinette et en même temps je restais en live. Mais si j'avais. J'ai pas. Mon deuxième téléphone, je l'ai même pas ramené, j'ai oublié. Mais. Écoutez, on va aller voir Wagram vite fait. Mais même si c'est encore loin là, c'est une descente quand même. C'est vraiment une descente fort. Hein. C'est une descente que ça prend 2 km, un truc comme ça. Mais c'est drôle parce que. Là, je suis sur l'avenue de Wagram et après à gauche. Bah, c'est ça que le matin, ce que j'ai fait là. Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose sur Avenue Wagram? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne. Bon, les amis, je préfère couper en vrai le live et je relance le live dès qu'il se passe quelque chose. Je vous dis à tout à l'heure. D'accord, je vous dis à tout à l'heure. Je reprends vite Wagram là. Et n'hésitez pas à vous abonner. Oh, je suis pas encore. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon live. Et on se retrouve après. Oh, attendez. La réponse, elle est vite répondue. Je sais pas où, mais où Nassé et du monde. Alors, j'explique quelque chose. Là, je descends vers place de Wagram. C'est ça, place de Wagram. Mais est-ce que vous voyez sur un live où il y a du monde qui sont encerclés? C'est ça la question. Est-ce que vous voyez ailleurs qu'il y a un truc derrière? Mais vraiment, là, parce que là je suis en direction de Wagram là. Donc. Ok. Bon, les amis, je vais couper le live, je vous dis à tout à l'heure. Attendez, là je vois un petit groupe.
a un groupe qui reprend là le Wagram. Il y a un petit groupe. Franchement, joli coup, hein. C'était chaud quand même. Hein. Salut toi. Ça va, tu vas bien? Je me reconnais pas, mais je t'avais vu quand tu étais. Oh, t'inquiète. Je vais me faire ça. Mais ouais. Quand tu étais venu voir le prêtre en Normandie. Ah oui, exactement. C'est là que le prêtre gilet jaune, non? Ouais. Bah, je me rappelle, c'est ça. Dimanche matin. Où j'ai filmé après ça. Oui, très bien, très bien. Ça va? Ouais. Tu veux dire quelque chose en direct? Non. Très bien. Là, tu vas, on va à Wagram ou pas là? Est-ce que t'as fait toute la manif toi en général? T'as fait toute la manif, pas du tout? Oui, à peu près. Oui, on est parti de Wagram, hein. Tout le tour qu'on a fait de Wagram, j'étais avec lui. D'accord. Villiers. Villiers, c'est ça? Vous me dites Villiers, vous êtes sûr? Villiers. Villiers, c'est ça ou pas? Place de la Bourse. Place de la Bourse, c'est déjà parti. Hein. D'accord, ok. Ça va? Tu vas bien? Vous allez où? Faut pas aller par là. Hein. Mais c'est où alors? Rien par là. Tu vois? Toi, tu vas où toi? Pérère. Toi, tu vas à Pérère? Ah ouais, je vais rejoindre mon pote. Il y a quoi là-bas? Ouais. Pardon. Donc là, on a les forces d'ordre qui sont là. Bon, vas-y les amis, je coupe le live et après je relance en cherchant où que ça se passe, d'accord? Je vous dis ça tout de suite ou pas? Je coupe le live comme ça, je vais chercher c'est où. C'est bon? Et je prends une trottinette comme ça, je roule vite et je reviens en live.
Vagrainvilliers, ok, Vagrainvilliers, je vois c'est où, ok. Ok, ok.